Allez, Tank. Vu de cet enculé, j'ai misé 10 billets sur toi. Small dicté réglo. J'imagine que c'est pas la peine de botter le cul. En fait, merci de m'avoir libéré. Ça soutient de tes calibres. Tu leur as montré comment résister. Diffuse ton message. Les détenus s'occupent du reste. Parfait. Que la révolution commence. Mickey est détenu au commissariat. Tu dois y aller et le sortir de là si on veut pénétrer dans la mairie. Le plus sécurisé de l'APC. Il abrite ceux qui menacent au plus haut point les activités de l'APC dans la zone. C'est là que Mickey est détenu. Il va falloir entrer pour le libérer. Ça suffit! Je vous ai dit tout ce que je savais! Ramenez-moi dans ma cellule! Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais pas partie de la PC, merci de m'avoir sorti d'ici! C'est Small qui a dû t'envoyer! Je vais lui rendre une petite visite. Tout a un prix par ici. Merci encore! Bon, allez, c'est pas riche. Dana et moi, on vient d'arriver à la bourse. J'ai rencontré tes nouveaux amis, je les sens pas trop. Mais Dana garantit qu'ils sont ok. Ramène ton cul ici et on passera à l'action. Putain, ça y est.
attaquer la mairie avec cette bande de brutes. C'est tous des tueurs. C'est tout ce qu'il nous faut. Je les aurai à l'œil, t'en fais pas. Je n'ai plus. Bon, allez, content de te voir en un seul morceau. On va pouvoir rendre visite à Simpson. Bon, on s'en tient au plan. Ah, on s'en fout du plan. On a signé pour affronter les Norcos. On devrait déjà y être. T'as déjà oublié qui prenait les décisions, Small? Non. Ah, putain, Ok, c'est quoi le plan? On va utiliser les tunnels que Mickey nous a montrés pour approcher de la mairie. Small, toi et ton équipe allez grimper sur le toit, éliminer la sécurité Norco et ouvrir le passage jusqu'à Simpson. Compte sur nous, Parrish. Ça fait trop longtemps qu'on attend une telle occasion. Parrish et moi, on va s'introduire dans la salle de sécurité et verrouiller le bâtiment. Ça devrait nous laisser assez de temps pour nous occuper de Simpson et ressortir vivant. Il ne reste plus que toi, Bradley. Tu vas infiltrer le bâtiment qui fait face à la mairie. Une fois à l'intérieur, tu devras allumer manuellement l'antenne principale. On pourra alors diffuser une petite conversation avec Simpson. On peut aller botter du cul de Norco maintenant. Du calme, Small. Écoute, on est tous dans le même bateau. Si on échoue, la résistance est morte. Mais on n'échouera pas. Personne ici laissera un truc pareil arriver. Dès que t'es prêt, Brady, on décolle. Assure-toi juste d'avoir tout ce qu'il faut. C'est le moment, Brady. J'espère que t'es prêt. Ok, rassemblez tous vos affaires. C'est le moment. Ouais. On va botter le cul de ces putains d'orcos. Ethan, on y est. Paris chez moi, on va vers la salle de sécurité. Small et son équipe sont en position. Monte sur le toit et trouve l'antenne télé. On doit s'occuper de ce signal avant de rejoindre Simpson. On vous accompagne, Brady. On va s'assurer que vous arriviez sur le toit de la station télé en un seul morceau. Vous ferez du matos dans notre camionnette si besoin. Maniez-vous, faites marcher cet ascenseur, on n'a pas toute la journée. J'y suis presque. Encore un petit moment. Ça y est. Ok, je vais passer devant et trouver un moyen de vous faire monter sur le toit de la station télé. Allez les gars, le feu d'artifice peut commencer. C'est trop calme ici. J'ai envie de faire péter quelque chose. La ferme, Small. On peut rien faire tant que Brady n'a pas sécurisé l'antenne. Fais pas te foirer. Tu crois que l'équipe de Small sera là pour nous? Tu plaisantes. Ça démange Small de frapper la PC et Simpson depuis une éternité. Je me demande ce qui s'est passé entre ces deux-là. Mieux vaut ne pas savoir. Merde. Regarde-moi ça. Je parie que les Norcos se chient dessus en voyant les combats si proches de leur QG. Regardez-moi ça. C'est une vraie zone de guerre. Tirons-nous de ce toit. Je sens presque la mire des snipers sur mon dos. Il dirait que quelqu'un a voulu s'en aller d'ici à un moment. Je me demande s'ils ont réussi. Personne passe à travers les mailles du filet de la PC, tu le sais. Comment on va faire pour monter là-haut? Je vais vous aider. J'ai pu pirater les commandes de la nacelle des laveurs de vitres. Une petite seconde. Putain, elle est trop forte.
puis monter sur la nacelle pour rejoindre le toit de la station télé. Baissez-vous et pas de bruit. Faut pas qu'on traîne. J'aime pas être là-haut. On est exposé. C'est ça, Brady. C'est l'antenne télé principale. Trouve un moyen de la contrôler pour empêcher les Norcos d'interrompre notre diffusion. Ça fait beaucoup de soldats de la paix. Les Norcos ne négligent aucun détail. On peut vous couvrir d'ici, Brady. Essayez juste d'être discret. Ça me fout les nerfs, enfin j'en crois un. Brady, on bouge. On n'a pas le temps de traîner. Vous devez descendre en tyrolienne et en finir, Brady. Tout est en place. On n'attend plus que vous, Brady. Brady, on va lancer le verrouillage. Sécurise le toit. Simpson doit se chier dessus, mais il bouge pas. Heureusement en sécurité, oui. Allez, vous faire en cul. Trop content que tu nous aies rejoints. On y va, Brady. Oh ouais! Cet abri n'est pas bon. En fait, continuez comme ça. Baguez-vous, bordel! Butez-les! Butez-les tous! Ces enculés! Continuez, allez! Faire.
moment. J'en ai bientôt fini avec la sécurité. Laissez-vous ! Avancez, tirez ! Merci ! Ça va, Brady, ça sera pas long. Je viens d'accéder aux dernières couches de cryptage. Vous pourrez partir. Vous avez ma parole. Bon, allez, allume cette caméra. Citoyens de Philadelphie, l'heure est venue de riposter, de prendre... Je peux pas lire ça. Lisez, sale petite larve! Vous êtes dingue! Vous ne comprenez pas! Si vous lancez une révolution, ils décimeront tous les Américains de cette ville, résistants ou pas. C'est des conneries. Ah bon? Boston, Pittsburgh... Depuis quand vous n'avez pas eu de leurs nouvelles? Vous croyez peut-être que je vais croire quelqu'un qui a trahi son propre peuple? Bordel de merde! Je n'ai trahi personne! Les choses ne sont pas si simples. J'ai profité de ma position pour faire mon possible. Écoutez, des soldats arrivent en ce moment. Si vous baissez vos armes, je jure de faire tout ce que je peux pour qu'ils fassent preuve de clémence. Et... De clémence ? De clémence, putain ! Ma position... Vous y connaissez quoi, en clémence, vous ? Dana... Je sais comment vous profitez de votre position. Vous et vos hommes, vous avez failli tuer Harry Versailles. Non, écoutez-moi, c'est... Vous ne... Vous devez m'écouter. À l'époque, je pouvais pas me cacher. Dana... Et maintenant... Dana, on a besoin de lui. Vous non plus. Tu m'entends ? Dana, non ! Merde ! Putain de merde. Allez. Bon, écoutez, je suis pas doué avec les mots, mais... Vous savez quoi ? L'heure n'est pas aux mots, aux prières. Ou à l'espoir. L'heure est à l'action, maintenant. Je sais que vous avez peur. Walker n'est plus là, les Norcos nous ont acculés. Et vous, vous attendez tous que quelqu'un vous dise quoi faire, vous montre comment on va se sortir de là. Eh bien... Oubliez ça! Vous voulez vous en sortir? Faites-le vous-même, bordel! Prenez vos responsabilités. Vous voulez retrouver votre maison? Faites-le! Vous voulez retrouver votre vie? Faites-le! Prenez un flingue! Prenez une brique! Utilisez vos poings, serrez les dents! Révoltez-vous, putain! Car ça y est, le moment est venu! C'est notre dernière chance! Battez-vous à nos côtés! Battez-vous aux côtés de vos frères et sœurs! Battez-vous pour nous, pour eux! Battez-vous, bordel! Si vous voulez sortir de cet enfer, il va falloir que vous vous battiez! On n'a plus le temps. On doit se casser d'ici. On y va. On se sépare et on se regroupe quand la voie est libre.
reprendre notre ville. On peut retrouver nos enfants. Écoutez la résistance. Brady, on a réussi à sortir avec Parrish. Viens nous retrouver à la planque.